Ah, salut Nicolas! Alors, t'es rentré dans les Vosges? Ben moi, tu vois, je suis revenu aujourd'hui. Parce que c'est le dernier jour où il fait beau, bien sûr. Apparemment, la preuve, c'est tout brumeux. Ils disent que ça fait le dernier jour où il ferait soleil, mais en fait, c'est tout brumeux. Donc, raconte ben n'importe quoi. Mais bon, je me suis dit, ça fait quand même un mois... On a fini nos coulages, je me suis dit, c'est le moment de tout enlever. Qu'est-ce t'en dis? Qu'est-ce t'en dis, mon petit Nicolas? Alors, il nous faut une tenaille et il nous faut peut-être un marteau et voilà. Alors, je vais d'abord faire la mienne, parce que la mienne, elle est simple, quoi. Il y a trois bouts de bois. La tienne, elle est quand même beaucoup plus sympa. Je la trouve vachement bien la tienne. C'est un château de cartes. On va voir si ça tombe tout d'un coup. Je reviens chercher une tenaille. Bon. Tenaille, marteau. Petit escalier. Et on y va, mon petit Nicolas. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Bah, celui-là. Ah bah non, celui-là. Voilà. Là, il est parti. Celui-là, il ne tient plus. Merde. Bon, je ne sais pas comment je vais le sortir. Ah, il y en a peut-être certains que je ne vais pas pouvoir sortir. Hein. Ah bah si, normalement. Allez, pour te faire plaisir, je vais rentrer dedans. Non, Philippe. Bon, t'as plus 20 ans. T'as plus 20 ans. Ah. Voilà, et puis là, je vais couper les fils. Alors, celle-là, elle doit partir normalement. Voilà. Bon, c'est pas aussi bien que je l'espérais. Hein. C'est pas aussi bien que je l'espérais. Mais bon, alors le problème qu'on a, c'est que, bah, comme prévu, il y en a certaines qui sont... Elles étaient superposées, donc il y a eu du mortier qui s'est infiltré. Il y en a certaines qui sont coincées dans le mortier, donc ça va pas être beau. Hein. Ça... C'était un essai, de toute façon. C'était un essai par rapport... à l'idée de faire des moules. Tu te rappelleras de la niche, hein? Et voilà. Et voilà, Nicolas. J'ai te demandé. Alors. Voilà. Hop là. Excuse-moi. J'ai failli faire tomber la caméra. Voilà. J'aurais tout gagné là, hein. Imagine. Bon. Là par contre, il est nickel là. C'est propre. Qu'est-ce que je peux pas, qu'est-ce que tu me fais faire? Ah, là, il y a un trou. On voit le jour. C'est pas bon. On n'a pas bien bétonné. Bon, il nous reste celui-là. Et puis l'autre là-bas. Oh bah. Là c'est pareil, il va falloir projeter là. On va la projeter parce que on arrive. Au lieu que ça fasse une voûte, ça fait une voûte et puis ça repart un petit peu. Tu vois, ça fait comme une petite vague. Donc là, en plus, alors, ça fait une petite vague et ça rejoint comme ça. Donc ça fait comme une pointe. Là, à cet endroit-là, faut bourrer là. Là, faut bourrer. Donc ça va être un peu chiant, mais bon. Bon, il y a des trucs plus chiants. Hein. Bon, alors maintenant, on va aller voir le tien. Alors. Là, par contre, je ne peux pas aller dedans. Là. Je ne peux pas aller dedans.
Ah, je vais jamais essayer. Bon. Et sans déconner. Un château de cartes. Regarde-moi ça. Château de cartes. Plein de petits morceaux qui tiennent partout. Un château de cartes. Lequel qu'il faut enlever en premier, Nicolas? Tu m'as pas dit. Ah, celui-là, on dirait qu'on peut l'enlever. Je prends beaucoup au moule parce que c'est là-dessus quand il travaillait à la fin de sa vie. Le problème du moule, c'est que ça coûte cher à fabriquer, quoi. Si tu veux faire une sphère, un moule d'une sphère, c'est compliqué. D'ailleurs, en il n'a jamais trouvé les financiers pour ses travaux, quoi. Je pense qu'il était en avance sur son temps. T'as vu, j'arrive à passer aussi celle-là. J'arrive à sortir. Il m'a fait ça super bien. Bon, les petits fils de fer à couper. Je te montre ça. Alors, à gauche, on n'avait pas fini, mais ça c'est normal. C'est moi qui t'avais dit de pas finir parce que il fallait qu'on projette ce côté-là, enfin de l'autre côté, quoi. Donc voilà. Et sinon, regarde, c'est super. Alors, on voit bien les petites différences de niveau. Ils sont en fait les panneaux de polyester PVC superposé, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, ici, là, c'est une niche. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais projeter là-bas. Bon, ça va être un peu galère, mais bon, où je le ferai projeter, je sais pas encore. Là-bas, tous les coins participera à la résistance. Voilà, sur ce côté-là, il est nickel. Il est nickel. Voilà Nicolas, le démoulage est terminé. Là-bas il me reste une petite. Là-bas, il me reste une petite plaque tout au fond, je la ferai. Celle-là, bah, elle était nickel parce que c'était la tienne, c'est tout ce qu'il a fait. Normal qu'elle soit nickel. Voilà, je voulais te remercier encore d'être venu m'aider au chantier de la maison Mulan. A plus Nicolas. T'as pas l'impression que ça fait deux yeux avec un gros nez. Là, la porte là. Ça fait un gros nez, tu vois. Et puis ça ferait deux yeux, quoi. Marrant, je trouve. Hein. Bon, c'est nul. Bon, t'as raison, c'est nul.